Bonsoir, la grisaille s'est largement imposée ce mercredi avec par endroits un temps encore humide, des pluies ou des averses qui ont particulièrement concerné la Corse. Pour demain matin, c'est la grisaille qui va de nouveau s'imposer sur la plupart de nos régions. Elle pourra lâcher quelques gouttes, voire quelques flocons insignifiants dans le nord et dans le centre du pays. Vous retrouverez le soleil tout de même pour la pointe du Finistère, ainsi qu'entre les Pyrénées et les Cévennes, et puis toujours des pluies soutenues et de fortes rafales de vent sur la partie orientale de la Corse. L'après-midi est toujours de la pluie sur l'est de l'île de Beauté. Ailleurs, ça restera largement dominé par les nuages bas, en particulier des régions centrales jusqu'à la Manche. Retour de quelques trouées ensoleillées par le nord-est et puis un soleil généreux entre la côte aquitaine et le golfe du Lion. Les températures de votre jeudi matin orientées à la baisse. Retour de quelques gelées un peu partout. Moins 2 degrés attendus à Strasbourg. Plus 8 pour la maximale à Nice. Et puis l'après-midi, valeur qui s'oriente à la baisse. Pas plus de 3 degrés prévus du côté de la Lorraine. Il fera 4 degrés à Clermont-Ferrand ou encore à Alençon, 7 à Paris, 8 degrés pour Brest, 10 pour Bordeaux et jusqu'à 11 à 14 en Méditerranée. Pour vendredi, un temps calme et plus lumineux attendu sur la majeure partie des régions. Certes, les nuages bas auront parfois du mal à se dissiper sur le tiers nord et puis on compte sur des entrées maritimes vers les Cévennes avec quelques gouttes et un vent sensible. Les températures seront à nouveau en baisse le matin avec de nombreuses gelées sur les deux tiers nord. L'après-midi, elles remonteront légèrement par le sud. Au nord, il fera froid avec à peine 1 degré à Bruxelles et 2 degrés à Lille. Pour samedi, nuages bas tenaces attendus sur les régions du tiers nord. Nombreux nuages aussi près des côtes de la Manche avec quelques gouttes, voire quelques flocons, sans conséquence. Au sud, un temps plutôt lumineux, même si le ciel sera voilé. Et toujours ces entrées maritimes qui vont se maintenir vers le Languedoc et vers les Cévennes. Les températures s'opposeront entre le nord et le sud. Au nord, des températures froides et hivernales. Au sud, des valeurs beaucoup plus douces, comprises entre 9 et 14 degrés. Pour dimanche, un temps toujours nuageux pour le sud, mais aussi dans le centre et le nord-est, où quelques gouttes pourront tomber. Ailleurs, un ciel variable. Lundi, c'est entre l'océan et le golfe du Lion que l'on attend les nuages les plus nombreux, porteurs de quelques pluies. Plus on ira vers le nord-est et plus le temps sera sec et lumineux. Les températures vont remonter sensiblement entre ces deux journées pour devenir très douces. Et puis enfin, pour mardi et pour mercredi, mardi, encore quelques nuages résiduels et peut-être quelques gouttes, en particulier en Méditerranée. Et mercredi, belle amélioration avec l'anticyclone qui va s'affirmer, de plus en plus de soleil et des températures qui vont devenir particulièrement douces. Une moyenne de 13 dans le nord et de 16 dans le sud. Demain, nous serons le jeudi 9 février, nous fêtons les Apollines et nous gagnons 3 minutes de soleil. Bonne soirée à tous et à demain.